Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le grand moment est là devant nous et la Coupe du Monde aussi est là. Elle a été apportée il y a quelques minutes par la mannequin Pelika Padukone et le grand Iker Casillas. Elle est là, cette Coupe du Monde, pour McAllister, pour Lionel Barça, Messi et Ousmane Dembélé. Il est presque 18h. De 80 000 spectateurs acquis en grand. Et dans 90 minutes, parti 22 acteurs, plus de 80 000 spectateurs, des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est la finale. La petite pichenette et la première prise de balle du Goloris. Mais il est en position de hors-jeu là. Et arrêtez de le rendre comme vient de le faire à nouveau Antoine Griezmann avec cette frappe directement sur Hugo Lloris, la tentative de McAllister. On est dans la surface de réparation, le premier crochet a fonctionné. Centre en retrait, qui va frapper à son tour. Ça a été détourné par Rabla qui a profité de l'appel de Molina sur le côté droit. Côté Argentine, une double faute argentine. Ouais. On est là au-dessus de son capitaine. Ouais, il s'était poussé par Upamecano. Et derrière, il y a le contact hanche-côte ou hanche. Deux face à Kylian. La petite passe intérieure vers Rabiot. Oh. Ah. Mouvement. Oh, Messi qui ne peut pas frapper et du pied droit, heureusement. Au premier poteau, c'est le second qui est choisi. Il est monté haut et il a commis une faute au passage. Pas moins André Di Maria, encore une fois, face à Ousmane Dembélé. Le crochet a fonctionné, attention la faute. Attention la faute. Et pénalty pour l'Argentine, 21e minute. Aïe, et ça passe. Le but de Lionel Messi et l'ouverture du score pour l'Argentine. Même si la France n'a jamais. Avec l'arbitre polonais Enzo. André Di Maria. La contre-attaque est claire. Ouais, ce geste de Lionel Messi, cet extérieur de Lionel Messi, son dosage et sur le pied gauche, la frappe croisée a insisté à n'importe qui. Entrée de Marcus Thuram. Sous les yeux de son papa. C'est le bon moment. C'est le titre. C'est terminé pour cette première période. Cette finale rentrera dans l'histoire si la France réussit. En même temps, eux, ils ont joué réellement une finale de Coupe du Monde. A été vécu par les Bleus. Sans décaler, à l'opposé, la reprise. Il est dessus, Hugo Lloris. La tentative de Rodrigo De Paul. C'est parti avec Griezmann. Et extraordinaire pour l'instant. Et qu'il a. Il va en plus condamner Adrien Rabiot à un carton jaune. Volume de récupération, de harcèlement, c'est aussi un beau joueur. Et ça n'est pas sorti. Bravo. Accélération de l'ancien Parisien, on est dans la phase de réparation. Oh, Di Maria. Ça a été laissé dans le dos. Oh, et Messi qui n'arrive pas à rabattre ce ballon du pied droit accompagné par Rabiot. Ah ouais, le tacle de Rabiot là. Et Messi qui accélère encore. McAllister, poussé ou pas, non. Commun, hein, McAllister est pour l'instant gagnant avec Antoine Di Maria. Pour l'instant, le centre de Griezmann qui passe de très délicat pour le défenseur. C'est parti avec Antoine Griezmann. Il était dessus, Kolo Muani. Argentine, premier contre favorable. Magnifique, il a cette finale, il avait été dans les années 80. Et lui joue avec Messi. Et Messi joue avec Enzo Fernandez. Et il y a faute, pénalty. Allez, 79e minute. Et c'est Randal Kolo Muani qui vient dans une ultime accélération. Changement de rythme. Kylian, 80e minute. Et l'espoir, peut-être, avec Kylian Mbappé. 80e minute, la France est à un petit bout d'aller arracher. Voilà, il est récupéré. Allez, Kylian. Maintenant, tout est relancé. Mais oui, il faut pas s'arrêter maintenant parce qu'ils ont centre de Mbappé. Qu'est-ce que c'est que de Marcus Thuram, de Kylian Mbappé. Il reste une éternité. Pénalty. Non, il ne dit rien, monsieur. Monsieur Marcignac, il va même sortir un carton. Ouais, c'est bien, c'est lui qui vient de percuter. C'est magnifiquement. Oh, le papa Lilian. Oh, Youri Tchankev. Le visage d'Angel Di Maria. Qui est sorti sous les ovations et qui sent que son équipe, parce qu'il a l'espace. Oh, ça a été détourné, corner.
Là, c'est toute la différence. Hein, avant, il est à l'opposé, à nouveau qui se fait couper. Oh non, jouer avec Aminga. Oh, il avait relâché ce ballon, Emiliano Martinez, sur le frein d'Adrien Rabiot. Qui fait une passe du genou à son gardien. Oh là là là. Considérer que c'est la passe du genou. Hein. Parce que derrière, ça ne suit pas. Randal Colomwani. Hop, oh, la surface de réparation. Il y a le feu. On a les jambes, on va finir. Allez. Pas maintenant. Hugo Lloris. Oh là 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 là, il y aura corner à suivre. Allez, la contre-attaque. Oh non. Il va prendre un carton. Oh non. C'est terminé la prolongation en cette finale. Encore une finale. Celle-ci, c'est le cadeau de Noël une semaine avant l'heure. Il est là sous vos yeux. Tous les rennes, il y avait le traîneau, il y avait les cadeaux. Monsieur Marcignac, il a aussi le sourire Hugo Lloris. Allez défendre sur Acuna. Bon. Paredes qui était alité hein, sur le. Aïe aïe aïe. En tout cas. Upamecano magnifique au moment d'armée. C'est important, mais ça c'est comme un but. Hein. C'est comme un but pour. Aïe aïe aïe. Lautaro Martinez. Non, hors-jeu et derrière le contrôle il est bon et il est en train de prendre une soufflante Marcus Thuram là avec son coach. Voilà, il s'est couché patron. Entre les jambes de Fofana et derrière l'Argentin, ils sont trois dans la surface de réparation. Lloris, oh bah, c'est rentré. Il y a quelque chose. Non, c'est validé. Voilà, c'est même tout de suite. Bon, il est passé deux fois. Il est passé trois fois. Allez, il est sortir de ça. Voilà, carton pour Paredes. Changement. Venir avec Kylian Mbappé qui a été contré. Penalty, je crois. Il y a une main, non? Penalty. Il a sifflé penalty. Évidemment. Carton jaune, le tien. Il n'est pas marqué, Vicente. Il n'est pas marqué. Et quoi qu'il arrive, c'est encore une fois. Le triplé Kylian Mbappé. Le triplé. Eh oui, 3 partout. Pour lancer tir au but. Mais il va rester du temps. Ce ballon qui rebondit, il était loin Emiliano Martinez. On l'aime avec des renversements de situation. Là c'est presque le Kimpembe, l'entrée de Paulo Dybala. Allez, tacle-moi ça. Ouais. Et là c'était fini, il y avait un coup de sifflet. Allez, Martinez qui vient à l'autre bout le centre. Oh là là. Et l'arrêt qui est l'arrêt. Allez, Randal Colomwani. Un bon centre. Oh oui. Plus que ça. Allez. Oh là là. Ça sera une touche, il a bien failli aller se le créer tout seul. Son quadruplé. Enfin, c'est fini pour les tirs au but. La première chose, c'est bravo aux Argentins, bravo aux Bleus d'être revenus deux fois de nulle part. Bravo Kylian Mbappé. Voilà, dernière accolade pleine de respect entre Hugo Lloris et Léo Messi. Allez, jamais 203. Cette séance. Oui, il a touché. Jamais 203. Il a touché. Mais ça ne fait rien. Ils ont envoyé le lourd d'entrée des deux côtés. Allez, Kingsley, il bouge beaucoup sur sa ligne. Emiliano Martinez. Équipe face à Paulo Dybala et son pied gauche. Oh là là. Plein milieu, il est parti de son côté gauche là. Emiliano Martinez qui demande le soutien derrière lui. Oh là là. Aïe. Ah là là. Il le touche. Et Paredes qui va tout de suite aller voir Emiliano Martinez. Oui. Sinon l'Argentine est championne du monde. Pas encore. Bah, il a raté, c'est maintenant. Ou l'exploit, c'est maintenant. Et ça passe. Et ça passe, et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine, championne du monde pour la troisième fois dans son histoire. Et les pleurs sont partout. Les pleurs sont bleus de France. De la tristesse.
et de l'exploit qui se refuse au dernier moment. Mais les bleus sont bleu ciel et blanc de au bout de l'effort pour Céleste qui emporte le titre mondial. Et bravo au football. Ah, que c'est terrible de d'en finir comme ça, mais de toute façon ça aurait été le cas si les Argentins s'étaient retrouvés à la place de l'équipe de France. Ce match était complètement fou, extraordinaire, mais voilà, ça se finit. On va pas se mentir, hein, c'est jamais agréable de perdre au tir au but en finale de la Coupe du Monde, mais c'est admirable parce que ses coéquipiers ont été admirables, comportement dans cette capacité à emmener ses coéquipiers à venir les. Il était récompensé à 28-29 ans dans un parcours. On n'est jamais. Ah, il est là, le meilleur joueur du tournoi. Et il retrouvera le meilleur buteur. Meilleur buteur, Kylian Mbappé. Les voilà, les Benzema, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku. C'est une liste de grands champions. Grand joueur Lionel Messi. C'est l'apothéose pour lui, pour son équipe. Il lui amène cette troisième étoile à cette grande nation du football. Et voilà, et le cours de cette équipe a été remarquable. Il y a eu les Pays-Bas, il y a eu la Croatie, puis finalement la France.